Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Abzu. Dans la vidéo précédente, nous avons ranimé le corail du temple du requin baleine, car il y a des requins baleines, sachez-le. Et on en a découvert un petit peu plus sur l'histoire du peuple qui vivait ici autrefois, dont on fait potentiellement partie, ça j'en sais pas. Mais en tout cas, on a une tenue qui ressemble un peu. On est peut-être un scout envoyé par les survivants de ce peuple-là pour remettre les choses en place. On a découvert la relation potentielle entre la technologie de cet ancien peuple et une espèce de flux d'énergie, de liquide d'énergie. Oh, waouh! Et peut-être le requin et tout ça. Mais après, bien sûr, tout ceci est une supposition. Waouh! Ils sont tellement grands! Alors là, je suis en 2D, hein, au niveau des contrôles. Je peux pas aller vers la profondeur ou quoi que ce soit, c'est forcément de côté. Hey! Oh! Des émotions de type Fantasia, direct. Fantasia de mire. Oh, waouh, salut! Baleine boss? Bon. Je suis obligé d'aller de l'autre côté, moi, apparemment. Je suis pas sûr. Oh, on a tous les types de baleines du monde. Oh! Ah non, c'est bon, c'est pas sur moi. Oh, oh, oh. Hey! C'est pas passé loin, hein? Hey, attention, vous circulez, hein? Je sais qu'on est sur une route à triple voie, mais quand même, hein? Oh, elle est tellement grosse! Ah, j'ai des frissons! C'est trop bien. Waouh. Je suis un peu ému. Je suis un petit peu ému par cette scène. Cette scène est énorme. Ça m'a donné des frissons et ça m'a ému. Est-ce que je peux réactiver ça? Oh, ça va exploser? Ok, ça fait... Ça fait du bruit. Ça fait du bruit quand je me rapproche. Du coup, j'ai un peu peur. Du coup, j'ai un petit peu peur. Je sais pas si on peut mourir dans le jeu, je pense pas, mais j'ai un peu peur quand même. Oh, des ossements. On est dans le cimetière des mines. Il faut que j'aille là. Ok, à mon avis, ça commence à devenir dangereux là. Oh, on a désactivé. Donc c'est bien quelque chose de nocif. Ah oui, on est plus dans la même ambiance. Là, c'est cette sirène là, enfin, pas vraiment une sirène, mais cette lumière, cette ampoule. Fait beaucoup moins futuriste que les portes. Du coup, on a l'impression d'être devant une caserne militaire. Alors que la police passe. Il doit y avoir moyen de passer vers le bas. Ah, il y en a qui sont à moitié enterrés, faut qu'on fasse gaffe. On passe comme ça. Ah! 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 Oh. Ok, on peut pas mourir, mais on peut souffrir. Ok. Donc on s'en fiche un peu, mais à côté de ça, on va quand même essayer de les éviter. Oh. Je voulais s'imaginer ce que ça aurait donné si... Oh, le requin. On est en train d'ouvrir tous les accès au requin. En fait... Ok, j'ai pas aimé le requin parce qu'il a pas aimé le premier Bob. Ok? Mais je peux comprendre qu'il soit traumatisé par la technologie. Mais j'ai l'impression qu'on ouvre les accès au requin et qu'ensuite on le suit pour continuer à lui ouvrir les accès plus tard. Je pense qu'on est un petit peu
On est du même côté avec le requin. Ouais, je voulais s'imaginer ce qui serait passé si on savait pas nager rapidement. Je me serais pris toutes les bombes de la première partie aussi. Oh shit. Ça a explosé là-bas. Je pense que c'est le requin qui a dû le faire exploser, mais lui il s'en fout. Un malade. Oh non, le requin! Il s'est fait avoir. J'arrive! Maintenant que j'ai compris qu'on était du même côté. Eh, c'est marrant que j'ai compris ça. Juste avant qu'on ait une action pour vraiment mettre en avant ça. Yo, buddy! Ça va mieux? Il a une tête, il est en train de sourire. Hey! Il a une tête complètement goofy. Quand tu le regardes dans les yeux, il est en mode. Il s'appelle Billy. Sacré Billy. Bon, je t'en veux pas trop pour Bob. Mais essaie d'arrêter de casser mes affaires quand même. Oh, waouh! Je peux les monter, toi? Apparemment, non. Je peux les suivre. Oh, les poulpes! C'est la prochaine espèce que je vais essayer de ramener de notre côté. Il y avait de la lumière par là, non? J'ai cru. Wow. Enfin des poulpes, c'est des calamars. Oh. Kraken. Succès déverrouillé. D'accord. Très content. Un encorna géant. C'est des... Ça aussi c'est des encornets? Géant géant? XXL? Pas du tout. Des calamars aux poulpes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre coquillage. On va voir. On va voir ce que c'est. On va méditer. Alors. Des haches d'argent. Ah non, on ne peut plus stylé. Oh là, Kimai Reform. Une méduse lune. Il est où le gros? Il est là. Un calmar géant, c'est un calmar. Il est ouf. On dirait qu'il a un œil là. Ok. Eh, on apprend des trucs. Vraiment stylé. Hache d'argent. Oh, ça a un côté tellement sinistre et éthéré, là. Mais en même temps, si c'est le monde des calmars... C'est le monde de l'encre, hein, quelque part. On arrive! Ici on a les Raymanta. Ici on a les orques. Ici on a les requins baleines. Place maintenant aux calmars. Mais par contre, les calmars, il y en avait déjà avant qu'on arrive. Alors que les orques, peut-être que je les ai juste pas vus, mais il y en avait pas avant qu'on arrive. Qu'à cela ne tienne. Calamar géant géant XXL. Ils sont tellement grands. Enfin, tellement longs.
C'est un côté moins lumineux du jour, quoi. C'est très joli, c'est moins lugubre, mais c'est plus lumineux de la nuit. Ce qui fait totalement sens. Hop. Yes. Y'a pas eu de Bob dans ce segment. C'était un segment sans Bob. Bon, il y avait des mines par contre. Une autre porte là-bas. C'est là pas. Je suis arrivé par ici, c'est ça? Ou c'est un secret? Ou c'est l'histoire? Oh, ça a l'air d'être juste de la décoration. Oui! Qu'on va avoir une porte plus tard ou pas du tout. On commence à être très profond quand même. Ouh là là, on fait pile la bonne taille. Je sais pas comment le requin va passer. Oh. C'est la porte maîtresse. Oh, les mines. Par là. Shit. Je vais t'atteindre, hein, y a pas de soucis. Si vraiment tu voulais pas de moi, il suffisait de pas me donner l'accès, c'était bon. Hein. On entre dans la base, dans l'étoile noire. Wow. Léger changement d'ambiance. Léger. Légèrement léger. Le truc c'est que je sais pas si on est à la fin ou pas. Ou si on va faire un nouvel épisode ou pas. Je pense qu'on va faire un nouvel épisode. On se retrouve dans le prochain épisode d'Abzu, à l'intérieur de l'étoile noire. On va voir ce qu'il en est. Ça fait un peu peur. Mais on va s'en sortir. Non, pas douter. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Bye.